Yo les bots, je lance dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la véritable taille d'un chunk. Car pour tout le monde, la taille d'un chunk, c'est 16 x 16 x 256. Ce qui fait ça, quoi. C'est ça un vrai chunk pour vous. Mais moi, je pense que non. Et je vais vous montrer directement pourquoi. Parce que quand on va dans les coordonnées, on peut voir ici chunk. Donc là, on voit où je suis dans le chunk. Si j'affiche les chunks, voilà. Là, cette coordonnée montre où je suis dans le chunk. Donc là, je suis dans le premier bloc. Donc je suis en 15, 3, 0. Mais on voit bien qu'on a un 3, ce qui veut dire la hauteur. Donc là, on monte dans le chunk. Tac, 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 on monte. Et là, hop, ça s'est repassé à 0. Donc ce qui veut dire qu'un chunk, ça fait du 16 fois 16 fois 16. Oui. Parce que là, on passe sur le 0. Donc, ça ferait normalement du 16 fois 16 fois 16. La logique veut ça. Mais ça, c'est seulement que les coordonnées dans notre chunk. Hop. C'est juste les coordonnées dans notre chunk. Mais chaque chunk a des coordonnées. Ce qui est marqué ici 0, premier chunk en hauteur, moins 2. Je peux même le prouver. Là, on est dans le premier, dans le chunk le plus bas. Et si on monte tout en haut, on monte de chunk en hauteur. Donc, pour moi, un chunk, c'est du 16 x 16 x 16. Et pas un truc qui va de 0 jusqu'à la couche 256. Dites-moi quelle taille vous pensez que fait un chunk. Et on se retrouve la prochaine fois.